Un peu perdue, elle est fatiguée. Faut dire que son voyage s'est fait debout en deuxième classe. Elle vient de poser son premier pied en gare de Montparnasse. Des souvenirs d'époque, des gens qui ont bougé. Souvenirs des plus anciens qui n'ont sûrement pas oublié. En 45, ouais mon gars, c'était ainsi. Malheureusement, après la guerre, le travail à la capitale. Comme beaucoup de Bretons venus chercher un idéal de vie, un challenge à relever. Rien n'était écrit lorsque tous ces gens sont arrivés. Et pourtant, toujours la tête haute et fière, inventant le son de tous ces quartiers populaires. Un son de techno qui vient de Paname, un son qui sent bon le métro, le pavé et le macadam, un son qui me parle plein de vagues à l'âme, un peu loin de la Bretagne mais ça n'empêche pas d'avoir du charme. Un son de techno qui vient de Paname, un son qui sent bon le métro, le pavé et le macadam, un son qui me parle plein de vagues à l'âme, un peu loin de la Bretagne mais ça n'empêche pas d'avoir du charme. Et tout le monde veut s'amuser. S'amuser dans tous les bals, s'éclater dans les beaux quartiers. Les filles mettaient des jupes, les mecs des blousons noirs. Avant que les bals débutent fin de semaine, vendredi soir. Imaginez l'affaire, nos pères et nos grands-pères. Avec une banane remplie de gel, histoire qu'elle tienne en l'air. Je veux pas critiquer, non non je ne veux pas chambrer. À chaque époque sa mode, c'est vrai que c'est là un peu marré. Il y avait aussi les plus caïdes, les plus costauds. Calé toute la merde dans toutes les soirées, tous les bals à jour. Ça se cognait sec du côté des caisses saines. À coups de pied et à coups de poing, ça se finissait même à coups de chaîne. Mais malgré ça, tout le monde était collé, serré. Les mains sur les hanches ou bien les fesses, on appelait ça guincher. Et l'orchestre jouait jusqu'au petit matin. Et reprenant toutes les chansons, chantant tous ces refrains. Un son de techno.